On cherche les ânesses cette fois-ci. On est passé par le chemin, par-dessus, 3 hectares tout en longueur qui s'étalent au bord de la rivière. Donc il faut les trouver. Bon, j'attends Eric avec le baudet. Il était derrière moi. Je crois qu'il s'est fait parpaguer par quelqu'un avec qui il papote. Je suis en train de dégager le chemin d'accès. C'est la parcelle du voisin de laquelle tombe sans arrêt des caillasses. Donc je suis en train de dégager ça et Trésor. Il a un peu plu. Et Trésor ? Oui ! Trésor, ça fait 4 jours qu'il était hospitalisé. Il est rentré hier suite à un empoisonnement. Il était vraiment mal en point. Bon, on va rentrer ici. Et leur parc s'en va. On voit une petite prairie en pente au milieu de l'écran. Ça va jusqu'au fond là-bas. Et ça va quasiment au bas de la ferme qu'on voit au-dessus de la branche morte. Cette zone ici qui nécessite d'être débroussaillée, cet hiver ça le sera. Tous les 2-3 jours on vient avec un baudet pour voir si les ânesses sont en chaleur. Et là elles vont de plus en plus marcher. Elles sont tout au bout de leur parc. Et elle aussi est en chaleur, Joya. Blondie est en haut. Viens ici, Almeida. Almeida, tu peux t'arrêter. Glycine, tire-toi. C'est bien, Almeida. Pas moyen de leur faire être en contact avec le mâle. Blondie, Rosa. Rosa passe à côté, Eric. Elle vient de te passer devant, Rosa. Blondie vient de te passer devant, Rosa aussi. Ah, elle s'est perdue. Ben. On vient de faire une petite séance câlin. Toi, t'as plus ton câlin encore, toi. Et my dreams. Bah oui, t'en veux d'autres, ma pupus. Tu en veux d'autres, ma pépette de joli. Tu en veux d'autres, Guillaume. Et ma mirguette. Eh oui, et toi non plus.
T'avais pas eu ton petit câlin, hein, la Malaïla. Non, là, tout le monde a eu son petit câlin. T'en veux encore ma pépette. Toute petite pépette de 65 cm. Toute petite pépette. Oh, doucement, hein, passe pas entre les jambes. Tu m'en veux petit joli, ça que tu es joli, ma pépette. Doucement, ma jolie, doucement. Merlin, petit Merlin, doucement, un peu brut sur les bords pour avoir des câlins. Allez, il me faut y aller, il me faut retrouver Eric avec Blondie et Rosa qui sont partis, qui veulent pas voir le mal. On n'a pas détecté les chaleurs de l'année. On vient régulièrement avec le baudet. Cependant, elles s'en vont de suite plein galop pour éviter la présence du baudet à proximité. Ce qui fait que si elles ne sont pas en chaleur là, dans les prochains jours, on va les ramener à la ferme. Et on les mettra directement dans le parc du baudet. Elles y resteront jusqu'à ce que les chaleurs se déclenchent, parce que certaines ânesses ne montrent les chaleurs que lorsque elles sont grimpées par le baudet. Il faut que le baudet soit sur leur dos pour qu'elles mâchonnent, etc. Sinon, rien, qui est possiblement leur cas. Voilà, Rosa, sa jeune fille qui n'est pas encore à la repro. Pas Rosa, pardon, Blondie, sa jeune fille qui n'est pas à la repro. Et Rosa, notre fille de Blondie, elle vient du fond où il y a Eric avec le baudet. Et voilà, toujours pareil. Je viens de terminer de nettoyer le box des ânes. Le box qui est complètement à refaire. Il n'a que 2 ou 3 ans. Eric l'avait fait de façon à ce qu'il soit déplaçable. Mais toute la visserie a lâché. La visserie, celle qu'il a achetée la meilleure qualité dans le coin, tout a lâché. Tout est tordu. C'est une catastrophe la qualité qui a été vendue. Ça vaut rien, rien, rien du tout. Tout a lâché. Et voilà. Et là, tout est au sol. Tout est tombé. Ça nous a causé la perte d'un de nos ânes. Parce que le jour où ça a commencé à lâcher, en fait, j'ai pris le sabot entre les planches. Il s'est débattu. Et en se débattant par la panique, il s'est fait une lésion à la colonne vertébrale qui lui a été fatale. Ça n'a pas été soignable. Depuis, on n'est plus revenu avec les animaux ici. Mais là, on va avoir besoin de récupérer l'abri. Étant donné qu'on a un jeune baudet qu'il va falloir isoler, des femelles, donc on aura besoin de ce box. Il faut qu'Eric trouve le temps et des visseries de qualité suffisante pour refaire tout ça. Il y a du boulot. Les trésors qui pensent qu'à jouer. Qu'à jouer toute la journée derrière moi. Attendre que je lui balance un bois. Il va se faire gronder par les chiennes. Oh, puis ça... oh, c'est mon Almeida, ça. Oh, c'est mon Almeida, ça. Oui, mon Almeida. Révision des fondamentaux pour notre petit Merlin. Longe, séparation du troupeau, parage des sabots. On a fait le vermifuge hier. Tout est fait pour son départ demain dans sa nouvelle famille. Tu penses qu'à ça, hein? Oui, tu penses qu'à ça. Et
Trésor. Chut. Trésor. Chut. Une nouvelle fois en train de courir derrière les ânesses, Rosa et sa sœur Caroline se sont échappées, ont arraché la clôture pour rejoindre leur mère, qu'on a mis avec le mâle parce qu'elle était en chaleur. Et jamais elles se sont séparées, toujours très fusionnelles, donc voilà, elles ont tout défoncé. C'est impossible de mettre du grillage parce que les propriétaires ne veulent pas, et sans grillage, elles sortent. Allez les titines! Ah, my dreams. Joya, l'étincelle doucement. Oui, oui, doucement, toi. Un peu plus puissant. Salut, Mirgueta. Bonne chance, ma Mirguetoune. Doucement, étincelle. Allez, allez, on y va. Voilà, c'est bien. Et on y va. 4 chiots sur 6 et 2 autres sont encore derrière les balles de fouet. On n'arrive pas à les récupérer. On attend qu'ils sortent naturellement. Ça sera pour bientôt. Pour la première fois, on découvre la portée, ils ont presque un mois. Elle les a tellement cachés au fond de la grange, derrière les piles de foin. Ils étaient inatteignables. Et ils étaient extrêmement silencieux. On ne les entendait pas couiner, aboyer, rien. On se demandait même s'ils n'étaient pas décédés. On ne savait plus quoi penser. Et là, tout le monde va bien. Un joli panel de bleu merle, certains aux yeux bleus. Et ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à leur donner à manger, parce que jusqu'à présent, ils ont fait que téter maman. Après 20 minutes de marche avec la débroussailleuse à main pour venir au fond du parc des ânes, je vais débroussailler, ouvrir cette zone parce que Eric n'arrive pas à venir avec le tracteur, c'est très pentu. Donc je vais venir pendant quelques jours pour essayer de dégager tout ça. Le temps de broyer, c'est ça qui est vraiment long. Vraiment de broyer, pas qu'il reste des gros morceaux. Tout ce qui est églantier, ces gros tronçons, je les sectionne en petits morceaux avec juste la débroussailleuse. Là, j'ai nettoyé tout notre bord de rivière. Il me faut faire quelques petits détails contre la clôture pour ne laisser les roses que vraiment sur les fils. Là, j'ai nettoyé cette partie. Il me manque 2-3 trucs. Là, il me reste encore cette matte, cette bande sur le rebord. Parce que juste derrière, après, c'est un voisin, donc je suis allée jusqu'à sa limite. On voit le grillage là-bas, il est un peu à l'intérieur de chez nous. Il n'a pas été posé exactement sur la limite. Elle m'accompagne partout, ma gligli. Bon, ça a été dur à faire démarrer, c'est tout humide, mais en fait, j'avais pas mal de cartons à faire brûler. À force, c'est parti. Donc dès que ça aura un peu baissé pour pas que je risque d'abîmer les câbles de mon Bobcat, je viendrai déposer l'autre tas par-dessus et ça sera bon.